Je suis Monseigneur Benanindo, archevêque de Hasaké Nizib en Syrie pour les Syriens catholiques. Je suis de passage à l'œuvre d'Orient que j'aime beaucoup, qui nous aide beaucoup. Et voilà un petit peu dans ces moments un peu difficiles en Moyen-Orient et surtout, alors je parle de ma région à moi, Jazirey, qui est au nord-est de la Syrie, ce qu'on appelle la Mésopotamie de Syrie. Ce que je demande, ce que je dis toujours, il faut avoir beaucoup d'espérance et beaucoup d'amour. L'espérance parce que dans ces temps difficiles, il n'y a que l'espérance qui puisse nous porter. Et la raison, les nouvelles qui nous arrivent tous les jours, qui nous bombardent depuis la télévision jusqu'aux tous les moyens de médias, nous porte vraiment à être pessimiste, mais c'est seulement l'espérance, parce que nous croyons, nous avons cet amour pour le Christ, nous savons qu'il nous aime, nous savons qu'il aime l'Église, qu'il aime l'humanité, qu'il aime tout homme. Il ne peut pas nous laisser, même si nous passons dans des épreuves aussi difficiles. Comme je le disais à l'une de ceux qui travaillent à l'œuvre d'Orient, tous les jours nous prions, délivre-nous du mal. Je me pose la question parfois, eh bien, ce mal-là que nous délivre, je ne sais pas où il est, mais aujourd'hui je sais qu'il est parmi nous, et à côté de nous, autour de nous, à Hasaké, à Kamchlyé, partout en Syrie, en Irak. Et je me demande comment ferais-je, comment ferons-nous pour être sauvés de ce malin et on ne le vaincra que en nous attachant encore plus au Seigneur et en aimant encore plus le Seigneur et en aimant les autres. Parce que en aimant les autres, on finira par aimer le Christ. Si on n'aime pas les autres, on n'aime pas. Même ceux de Daesh, surtout les gens de Daesh, que je prie toujours pour eux. D'ailleurs, dans un oraison funèbre, d'un grand de chez nous, c'est chrétien qui a été égorgé. Je lui ai dit, je ne peux pas haïr ceux qui l'ont égorgé. Je prie pour eux, pour qu'ils reviennent sur la route droite, comme nous disons en arabe, Sirat al-Mustaqim, comme ça dans le Coran, et qui finissent par arriver au vrai Seigneur, qui est le Christ, votre Dieu.